Hey mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on reprend les vidéos sur la MSP. On commence très bien 2019 parce que voilà, je me connecte pour la première fois en 2019 et je reçois un joli petit message. Merci de respecter les règles. Tu n'as pas respecté les règlements en disant des mots pouvant rendre les autres inconfortables ou les blesser. Merci de suivre les règles ou votre accès sera restreint dans le futur. Alors déjà, d'une, c'est pas très le français, hein, Mr. Planet, hein. Parce que là, tu me tutoies et après tu me vois. Là, ils me disent, tu n'as pas respecté, donc tu me tutoies. Et juste derrière, merci de suivre les règles ou votre accès. On me vous voit, hein? Mr. Planet, c'est quoi ça? Merde. Non, mais en vrai, je m'en fous tellement de ces messages-là. En fait, je reçois tellement ces messages régulièrement que, au final, voilà. On s'en bat les steaks. Voilà, donc je voulais me connecter pour un petit peu voir vos messages, vous parler, etc. Faire une vidéo où je réponds un petit peu à vos messages, etc. D'ailleurs, pour les personnes qui risquent de me poser la question dans les commentaires en me demandant pourquoi j'ai été absente ces derniers temps, je vous invite à aller sur ma chaîne 15L TV. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description, je ne sais pas, ou sinon vous pourrez le voir en tapant sur YouTube 15L TV. C'est ma chaîne, on va dire ma deuxième chaîne, et dans laquelle j'expliquais pourquoi je n'étais pas là ces derniers temps. Parce que je ne vous dirai pas dans cette vidéo-là, parce que bon, voilà, je ne vais pas parler de ce sujet-là dans cette vidéo. Bref, du coup, déjà, au revoir le message, voilà. On commence tellement bien cette année. Et merci à Brioche pour la salutation. Merci beaucoup à toi, c'est super gentil. Merci pour la salutation. Donc, il y a actuellement le pack drip. Donc, j'attends de recevoir mes sous parce que je suis pauvre actuellement. C'est la Hesse, c'est la Dèche, c'est tout ce que tu veux. Et du coup, j'ai pas de sous encore pour me prendre le truc drip là. Mais en fait, j'avais une petite idée. J'avais envie de faire quelque chose. Je sais pas si c'est une bonne idée. I don't know. À voir, à voir. Mais en gros, je voulais me créer un compte polonais en fait, et du coup me mettre un nom VIP sur le compte polonais, et du coup en fait ça me permettrait d'avoir aussi cette collection de drip. Pourquoi sur le compte polonais? Parce que j'ai pas mal de personnes polonaises, enfin pas mal, non pas tant que ça non plus, j'abuse un petit peu, mais quelques personnes qui n'arrêtent pas de me demander, oui, tu peux venir sur le serveur polonais et tout, ce serait trop cool. Alors je commence à avoir une petite, pas beaucoup, hein, voilà, mais quelques personnes qui me demandent quand même si je pourrais rejoindre le serveur polonais, ce serait cool. Donc je me suis dit, tout in one, tant qu'à faire, peut-être ce serait cool d'en profiter qu'il y ait ce pack drip pour y aller. Oh là là, oh le bounise. Oh mon dieu, il est trop cute. Cette petite boule de chewing-gum. Oh mon dieu. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, après, je vous avouerai, les cheveux, je suis pas en kiff. La robe, j'aime bien. Tout, j'aime bien, mais les cheveux, je sais pas. J'aime pas trop, en fait. J'aime pas trop. T'imagines, tu prends les cheveux en couleur vert et ça fait genre, tu t'es fait vomir sur la tête. Voilà. C'est tout ce que ça me fait penser, c'est à du vomi. Si ce serait en couleur vert. Bref, je vous invite également à aller voir la chaîne de Madame Toilette parce que Madame Toilette, pareil, elle est revenue de ses vacances. Elle s'est pris, voilà, avec la YouTube Money, elle est partie en vacances. Et du coup, là, elle est revenue. Et si ça vous intéresse, voilà, elle m'avait dit qu'elle allait faire une vidéo sur le pack drip d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je ne sais pas si elle aura déjà posté la vidéo au moment où je vous parle, au moment où cette vidéo sera postée. Voilà. Mais voilà, je vous invite, si vous aimez bien Madame Toilette, hein, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Voilà, c'est Madame Toilette MSP. Donc là, je récupère un petit peu les cadeaux et je vais aller. Alors, je suis désolée, je vais devoir mettre le mode anti-bug pour essayer de répondre un petit peu au message. Alors, c'est parti. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Coucou, ce sondage, je me suis co sur MSP et là, je te vois co. Je me co sur un site de faire une salette et je me co et 15 est disparu dans un champ de citron. Oh, attends, on va lui faire une petite autographe. J'aime bien son look. Ah, d'ailleurs, en parlant de look, on est quoi? On est jeudi, au moment où je fais cette vidéo. Et je ne suis pas allée voir le thème, le nouveau thème. Ce serait pas mal. Bon, je découvrirai après cette vidéo, j'irai voir le thème quand même, voir s'il y a moyen de faire un joli petit thème. Enfin, un joli petit look plutôt. Sachant que maintenant, voilà, Noël, c'est fini. Il faudrait peut-être passer à autre chose, 15L, et de faire un look un peu plus début d'année, quoi. Alors, là, on a Starkini. Coucou, coucou, t'es en live. T'es live, je vais vite dessus. T'es live, je vais vite dessus. Coucou. Nope, je suis pas en live, mais merci.
Oula, je même moi. Oula, comment j'écris? Mais c'est pas grave. En gros, bah merci beaucoup hein, parce que déjà, voilà, elle serait venue sur mon live. D'ailleurs, est-ce que je l'ai en ami? Oui, je l'ai en ami. Donc c'est bon. Elle serait venue, donc c'est super gentil. Merci beaucoup, Quinzel, et merci de ma vidéo. De ma vie, j'ai pas compris, mais de rien. Oh non, je peux pas déjà envoyer d'auto. On va lui faire un bisou. Je peux pas lui envoyer déjà des autos toutes les 2 minutes. En vrai, 2 minutes c'est long quand on a envie, quand on a envie d'envoyer des autographes. Je te soutiens. Bah merci beaucoup. Je pense que c'est par rapport à ma vidéo sur mon autre chaîne, mais du coup, bah je vais pas en reparler dans cette vidéo là. Mais merci beaucoup, Oriane. C'est gentil. Merci beaucoup. Ah, t'es magnifique. Merci. Et je veux une bonne année. Bah oui, bonne année. Bonne année. ordinateur de Quinzel. What? Bonjour Jessica, je suis votre ordinateur et je suis là pour vous aider. Je me suis créé dans le seul but de répondre à vos questions, etc. Bonjour Quinzel YouTube, alias Jessica. Ah, bon, on a des questions. Coucou mon ordinateur. J'ai une question. Alors, quelle est la question qu'on pourrait poser à un ordinateur qui apparemment peut répondre à tout, c'est un ordinateur. Je suis là pour vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question qui serait intéressante à savoir? Moi, j'ai ma petite idée. Et si on lui demandait quand est-ce que j'aurais 100 000, 100K abonnés? On va lui poser la question pour savoir la date précise, si elle sait ou pas. En tout cas, si vous regardez cette vidéo et si vous n'êtes pas abonné, hein, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Voilà. Donc en gros, quand est-ce qu'on aura les 100 000 abonnés sur la chaîne? Parce qu'on s'en approche dangereusement quand même. Alors il y a beaucoup de gens qui ont parié sur janvier, sur ce mois-ci d'ailleurs, pour les 100K. On verra bien, on verra bien. Moi je dis, peut-être en février, je ne sais pas. Je dirais soit fin janvier, soit début février, un truc comme ça. Allez. Bon, le temps qu'elle nous réponde, on va voir le reste des messages. Kaza, comment vas-tu? Bah bien, et toi? Oula, ouf, c'est un problème de blablabla. Oula, oula, ouf. Oula, c'est un message codé, là. C'est un message codé. Ah, j'en veux plus. Alors. Ah, Quinzel YouTube, coucou. Quinzel, coucou. Coucou moi-même. Paye ton Pepsi, j'aime bien son pseudo. J'aime bien son pseudo. Tu peux faire un live. Tiens, ouais, peut-être après cette vidéo, est-ce que si on faisait un live. Possible, je ne sais pas, peut-être qu'on fera un petit live, je ne sais pas, je ne sais pas, bon, au moment où cette vidéo sera postée, le live, il aura peut-être déjà eu lieu, donc je ne sais pas. Alors, on a Carlita, qui me demande en ami, donc on va lui envoyer une demande d'invitation, voilà, petite demande d'invitation envoyée. Arrêtez de vous plaindre pour rien quand vous savez qu'il y a des trucs plus graves dans la vie. Oh, c'est pertinent comme que fais-tu, c'est pertinent. On va rafraîchir les messages. On va les voir. Non, mon ordinateur ne m'a pas répondu, je suis triste. Ornella de la Colsterenemel. What? Très long le pseudo. Ah, tu m'as répondu, j'ai peur. Mais non, faut pas. Merci, Oriane. OMG, je suppose. Je t'adore. Hello. Voilà, on m'envoie un petit cœur qui pleure. Mais pourquoi? Tu ne répondras jamais. Mais si. Mais si. Mais si. Donc c'est vrai que ces derniers jours, vu que j'ai pas été présente, je me suis pas non plus trop connectée. Oh, elle m'a répondu. Dans 7 mois, si je calcule bien. Oh, oh my god. Oh my god. Ouais, j'ai... Ouais, oh my god, parce que dans 7 mois, c'est dans vachement longtemps, en fait. Moi, j'avais prédit, genre, dans un mois, genre, un truc comme ça. Mais là, carrément, dans 7 mois. Oh non. Oh, je suis triste. Mais vu que c'est un ordinateur, il est censé avoir raison, l'ordinateur. L'ordinateur a toujours raison.
Ah, on va faire un petit smiley. C'est meilleur, ça va? Oui, toi. Ah là là. C'est qu'elle a un joli look en plus. Ah, ça m'étonne que j'ai pas eu plus de messages chelous en fait. On va regarder si j'ai des messages chelous. Dis coucou à toi. Merci. Attends, parce que je suis désolée pour ce message, j'étais une gamine. Je sais pas si j'aurais regardé ça maintenant ou pas. Je sais pas si j'ai envie de voir, ça a l'air d'être méchant en fait. Tu fais quoi? Ben, je réponds au message, je réponds au message. Parce que des fois je reçois, je vous avoue, des messages un peu chelous. Mais ça se voit tout de suite. Quand on voit le pseudo, on voit tout de suite si c'est un trolleur ou pas. Et merci beaucoup à Maylis, merci, merci Maylis, c'est super gentil, merci beaucoup. Oh, en plus elle a la robe là, du look, du thème de pour le nouvel an et tout, celle que je voulais prendre. Bah merci beaucoup à toi pour ta salutation, merci énormément. Et hello, c'est le forceur, non, je check. Bon bref, bonne année en retard, si tu réponds appelle-moi Jonathan car c'est mon vrai nom, voilà, trouve pas de moi. Allez, kiss ma belle, épouse-moi, non mais... déjà, tu vois le pseudo forceur, tu te dis ouais, il y a déjà... Enfin, je veux pas dire une expression vulgaire, mais bref, vous m'avez compris. Il y a déjà un problème quelque part, tu vois. Bon, je vais même pas répondre, mais bon, je montre le message pour rigoler un petit peu. Ah, d'accord. Donc là, ça, je pense que ça peut être drôle. C'est Madame Toilette 156. Bonjour, vous venez de recevoir une amende de la communauté, ouais. Des toilettes, si vous voulez verser un don pour l'association des toilettes, je vous donne rien, vous, à toilettes, et ça va, on devine plus, il y a de caca, plus de bonheur. Alors, des fois, c'est bizarre, parce que des fois, il y a des messages, il veut rien dire, mais ça me fait trop rigoler. Votre amende est la cause de pas avoir produit de fac sous 2 heures, votre amende est de 326 cacahuètes. Bonjour, vous venez de recevoir une amende de la police de la communauté des toilettes. Nous disent plus s'il y a de caca. Ah, elle a réécrit, mais en mieux en fait. Votre amende est à cause de ne pas avoir produit de caca sous 2 heures. Votre amende est de 326 caca. J'aurais une sacrée usine à caca si je faisais des caca toutes les 2 heures. Franchement, vous imaginez, on ferait caca genre toutes les 2 heures dans la vraie vie. Et on a un message, je vais te deleted. Tu le sais toi pourquoi Léa, elle me répond pas, je vais te deleted. Ah, ça c'est par rapport à la fameuse histoire d'Esther, je vous invite à aller la regarder également si vous aimez bien les petites histoires un petit peu flippantes. Vous tapez l'histoire d'Esther sur YouTube, vous allez tomber sur ma vidéo. L'histoire d'Esther, c'est une histoire MSP un petit peu flippante que j'avais mis en ligne pour Halloween en octobre. Et ça vous avait quand même pas mal plu. D'ailleurs, si vous l'avez vu, j'ai fait le même format de vidéo pour Noël en faisant l'histoire de Leïla, si ça vous intéresse, voilà. Et du coup, bah, en fait... Non, Esther va pas me deleted. Mais Esther, elle a pas de compte, en vrai. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous savez que Esther, elle a pas de compte. Esther, elle va sur le compte des gens, mais elle a pas de compte en soi-même. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, hey, regarde, Esther, elle a un compte. Mais si vous avez bien écouté l'histoire d'Esther, vous comprendrez qu'Esther n'a pas son propre compte, en fait. Elle va sur les comptes des autres. Du coup, voilà. Enfin bref, sur ce, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là quand même, parce qu'on s'est arrêté sur quand même des beaux messages là, assez drôles de Esther Madame Toilette. Voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Voilà, c'est une petite vidéo, elle est peut-être pas forcément super intéressante, mais bon, je me suis dit que pour la première vidéo que je reprenais, j'avais envie de vous parler comme ça un petit peu, de faire une vidéo pas forcément focalisée sur une chose et un petit peu me lâcher, voilà, dans cette vidéo. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis bah à demain pour une prochaine vidéo et peut-être même à plus tard pour un live. Voilà, gros bisous à vous, je vous fais très gros bisous et encore une fois, bonne année vraiment. Voilà, passez votre temps avec vos proches, etc. Et j'espère que tous vos vœux se réaliseront en cette année 2019. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.